Quand t'as un bébé, tout le monde te donne des conseils. Ton bébé a mal aux dents? Frotte-y à la tête avec une gosse d'ail. C'est louche, ben fais-y têter un petit morceau de boudin. S'il fait de la fièvre, roule-lui dans la farine avec des pois chiches. Quoi, c'est ta mère qui m'a dit ça. Mais le pire, c'est les conseils de ceux qui ont pas de bébé. Si t'as pas d'enfant, conseille-nous sur quelque chose que tu connais. Comme pas changer de couche, avoir une vie sociale, puis voir des films sans animaux qui parlent. Quelqu'un qui a pas de bébé qui me dit quoi faire avec le mien, pour moi ça sonne de même. Blablabla, dernière vie j'ai lu des livres, blablabla, youpa! Ah, puis ceux qui ont eu des bébés là, juste avant nous! Eux autres, ils ont inventé le feu en frottant des biberons. Ils savent tout! Ah, tu vois quand elle fait ça, là? Ça veut dire qu'elle est chaude. C'est ça. Couche-la pas de même, ça va y fouler l'occiput. Nous autres aussi, elle faisait ça tout le temps. Tout le temps. Tu te rappelles-tu, nous autres? 11 août 2011? Ah, mon Dieu. Ah, ouais, tu prends pas le micro-ondes. Ah, c'est vrai, c'est ton premier. Tu vas avoir le label bon parent. Si tu veux qu'elle dorme, donne-y de la maroula. Elle a pas fait ça. Je fais ça deux fois par jour, ça fait descendre le stress, puis je pense que mon lait est meilleur. Depuis ce temps-là, le bébé est très smooth. Bon, tu vois, c'est ça qu'il fallait faire, une gorgée, une sieste. Si tu veux que ça puisse réveiller, tu fais de la poudre. Fais de la poudre. T'es folle, toi. 11 novembre 2012. Hein? Ça, c'est ma femme. Coquerette.